Hugues Grosvenor, l'un des parrains du prince George, a été victime d'un cambriolage à son domicile. Lundi 27 novembre 2023, le Daily Mail a donné des détails sur les objets volés. Hugues Grosvenor est un des parrains du prince George. L'homme de 32 ans a été victime d'un cambriolage. Au total, 42 000 livres de montres de luxe ont été dérobés. Le prince George a été baptisé le 23 octobre 2013 dans la chapelle royale du palais Saint-James. Pour ce moment historique, les noms de ses 7 parrains et marraines avaient été dévoilés. Parmi eux, Hugues Grosvenor, le 7e duc de Westminster, dont la fortune familiale était estimée à 11,6 milliards de dollars. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le jeune homme fait partie des plus grosses fortunes du Royaume-Uni. De quoi attiser les convoitises. En effet, au mois d'août de l'année dernière, Hugues Grosvenor a été victime d'un cambriolage. Selon le Daily Mail, les faits auraient eu lieu à son domicile situé à Eaton Hall, dans le Cheshire. Alors qu'un décorateur avait été embauché pour réaliser des réparations de meubles, il se serait introduit dans sa chambre. Au total, le cambriolage serait estimé à 42 000 livres sterling. Parmi les objets volés, des montres de luxe signées Cartier, Panerai Luminor Marina ou encore Brightly. Deux hommes ont été arrêtés après le cambriolage du parrain du prince George. Le parrain du prince George ne se serait pas tout de suite rendu compte du cambriolage. Ce n'est que 3 semaines après les faits, quand il a voulu porter sa montre Cartier, qu'il a découvert les faits. Hugues Grosvenor a ensuite déclaré les vols. L'enquête a par la suite connu un rebondissement de taille avec l'arrestation de 2 suspects. Le vendredi 24 novembre, Matthew Turner, 24 ans, a été présenté devant le tribunal de la première instance de Chester. Il a plaidé coupable pour cambriolage. Pour sa part, Nathan Elliott, 30 ans, a nié les faits et s'est dit non coupable. Les 2 suspects encourent au moins 12 mois de prison. De son côté, Hugues Grosvenor s'apprête désormais à passer à autre chose. Le trentenaire est actuellement en train d'organiser son mariage avec Olivia Henson. Le couple prévoit de se marier le 7 juin 2024 à la cathédrale de Chester. Just need